Je dois... Maintenant, on va voir l'argument d'un nombre complexe. Donc, chauffons le module. Tawa, je chauffe l'argument d'un nombre complexe. En train de chauffer l'activité 8, d'ailleurs. Je vais faire l'activité 8, d'ailleurs. Allez. Le plan muni d'un repère orthonormé direct au UV. D'accord? Placez les points A, B, C, D d'affixes respectifs. ZA est égal à moins I, ZB égal à 4, ZC est égal à 2 plus 2I, et ZD est égal à moins 1 plus I. Et déterminer graphiquement un argument de chacune de ces nombres complexes. C'est quoi l'argument de, c'est-à-dire l'argument d'un nombre complexe en fait? Si on considère le repère Hadea, hein, alors, et un point M, d'accord, de coordonnées X, Y. Alors, l'argument du nombre complexe, ou l'argument du point M, si l'angle n'est que fait, donc, X avec un. voilà, si l'angle ici que fait OM, le vecteur OM, avec l'axe des X, c'est où l'angle? C'est l'angle θ, il l'argument de M, ou l'argument de M d'affixe Z, ou l'argument du nombre complexe Z. Wadaha. Donc l'argument de Z, c'est quoi? C'est une mesure de l'angle entre l'axe OI, l'axe des X, ou le vecteur OM. D'accord? Wadaha. Quelle mesure? Et par exemple, je compte θ, ou L. Theta plus theta avec qui nous avons zida 2 pi là, qui va se nouveler. Nous avons la même place, n'est-ce pas? Avec qui zida 2 pi, nous avons la même place. Donc theta plus 2 pi, c'est aussi une mesure, d'accord? Qui nous dit que nous avons dans l'autre sens. Theta moins 2 pi est aussi une mesure, d'accord? Et theta plus 4 pi est aussi une mesure. Theta plus 6 pi, ainsi de suite. Ou un qui kiffe theta moins 4 pi est aussi une mesure, d'accord? Donc, l'angle θ plus 2 capi, c'est une mesure de cet petit angle, d'accord? De l'angle F. Par exemple, l'angle pi sur 4 plus 2 capi, ce sont tous les mêmes, ils désignent tous l'orientation de ce vecteur-là, la position de ce vecteur-là par rapport au vecteur i, ou là, par rapport à la droite des x. B. Alors, par exemple, on a limité les points ZA d'affixe moins I, ZB d'affixe 4, ZC d'affixe 2 plus 2I. Donc, on écoute l'argument de Z, c'est cet angle-là. L'angle θ, c'est l'argument de Z. Donc, l'angle θ, c'est l'argument de Z. Et donc, θ, l'argument de Z, c'est l'angle entre U ou O, OM, le vecteur OM. Wadaha. D'accord? Supposons OMG là. On a la fixe T, on a Z. On a Z prime par exemple, 1 prime là. Donc, je trouve l'angle head, l'argument, hein? Ou elle moins l'angle head, c'est-à-dire, si on a un dit θ, quand j'ai un dit là. Moins θ. Attendez. Chouf, somme est égal à combien? من هوني واحنا راجعين لهنا قديش دبي هنا دبي صام دكار دونك لهنا هذية تيتا بلس تيتا بريما يتقال دبي واضحة دونك تيتا بريما يتقال كم بيان دبي موان تيتا دبي موان تيتا دونك لانجل هذية هذية سي دبي موان تيتا يقول D'accord? Donc, on a qui n'aime pas ici, dans le sens positif, je dis bien dans le sens positif. N'aime pas ici, theta. D'accord? Ou le col 2 pi moins theta. D'accord? Alors que n'aime pas l'orientation, je vais trouver theta moins 2 pi. C'est theta moins 2 pi. Voilà. À chaque fois, je me suis déplacé dans ce sens-là. Voilà. On a dit comme exemple. On a dit comme exemple. À chaque fois, notion. On a dit, par exemple, l'angle. Pi sur 4. Fin à l'angle pi sur 4.
le point M, hein, d'affixe, par exemple, 1 plus I, on a قد هذه, قد هذه. D'accord? Oui. D'affixe 1 plus I. هذه 1, ou هذه I. قديش l'angle هذه? I sur 4. هذه c'est pi sur 4. هذه theta est congruent à pi sur 4. Modulo 2. Modulo 2. D'accord? Béhi. شفتوا كي نمشي هكا الله كي نمشي نعمل هكا قديش لونغ هذه هذه بي سور 4 وهذه 3 بي سور 4 اتوندي فما سيني موار هنا خاطر جو مي ديبلاس دون لو سونس نيجاتيف راه شفتوا هنا جو مي ديبلاس دون سونس بوزيتيف ونقول بي سور 4 ولا جو مي ديبلاس دون سونس نيجاتيف دونك هنا اش عندي Attendez, moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, moins 5 pi sur 4, moins 6 pi sur 4, moins 7 pi sur 4. Moins 7 pi sur 4. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, je mets pi sur 4, plus 2 pi. Moins 2 pi. Moins, moins. Pi sur 4, moins 8 pi sur 4. Voilà. Surtout les nez. Donc, les nez, je mets pi sur 4, moins 2 pi. Avec la chose que les nez, c'est 2 pi, on a theta moins 2 pi, d'accord? On a theta moins 2 pi, theta moins 2 pi. Avec la chaîne, peut-être comme theta prime égale, qui n'aime chez que c'est theta moins 2 pi. Voilà, voilà. Allô? Donc, allô? Vous m'entendez, non? Oui, monsieur. Ben, donc, là, il faut faire attention. Mais qui finit de manière des angles qui sont connus, pi sur 4, 3 pi sur 4, ou quoi, vous pouvez les déterminer avec un schéma, d'accord? Vous pouvez les déterminer avec un schéma. Donc d'habitude, les angles entre 0 et pi, nous avons positivement. Ou les angles, surtout les nez, nous avons négativement, d'accord? Je m'oriente dans ce sens-là. Je n'ai pas. Il y a moins pi sur 4, moins pi sur 2, d'accord? Là, c'est pour 3 pi sur 4, 3 pi sur 2, on coule. On a pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. On coule moins pi sur 2. D'accord? Il y a des kinjim nehoun, on coule moins pi sur 2. À l'angle heavy. À la vie. Ou kinjim nehoun, on coule 3 pi sur 2. Wadah, non? Oui, monsieur. Béhi. Khalina taouna amlou l'exemple heavy. Donc, khalina ne ZA. Bim chisaourou. Béhi. Là. Donc ici, je vais prendre ça. وباش ناخذ احنا عندنا 4 اكثر حاجه هي 4 دوتو هكا داكوغ بي قال لي زد اي تيقال موان زي هذه زد اي نو وي صحيح علاك جي زوغ صحيح هذه لو بوان Le point B. Sur l'axe de l'abscisse. Partie B. Positive. C'est bien. C. C'est le coordonnée 2, 2. 2, 2. Et puis. Vague moins 1. Moins 1, 1. Moins 1, 1. D'accord. Donc, il y a le point B. B. Bad, qu'allez déterminer graphiquement un argument.
un argument. Je ne sais pas tous les arguments. Un argument de chacun de ces nombres complexes. Quand on est lorsque K varie, je vais trouver beaucoup d'arguments, d'accord? Un argument. Je vais déterminer l'argument le moujoud fait 0 de pi ou elle fait le moins pi. Pi, d'accord? Donc, qui n'est pas un argument. هذه C هذه ال B دكار هذه ال A قطر ماني قلت سي لانجل entre ال OI والفكتور متاعنا دكار دو جيست لحظة خليني أزيد التصوير مليح هنا على هكا وهكا دكار هذه U هذه V دكار B دونك شنو هو الارجيمون دو de Z A, de Z, oui, nous Z A, c'est l'A, oui. Donc l'argument de Z A, c'est tout cet angle-là, d'accord? Donc il y a un vecteur A, donc argument de Z A, c'est quoi? C'est l'angle entre U ou le vecteur O, O A. D'accord? Oui. Donc là, c'est cet angle-là. Qu'est-ce que c'est que l'angle d'être 3 pi sur 2. Sahi, 3 pi sur 2. C'est 3 pi sur 2. D'accord. Elle aime moins pi sur 2. Qui est l'air de 100. Sahi, tu as dit qu'il y a un modulo de pi. Il y a un modulo de pi, mais il y a un modulo de pi. Il y a un pi, tu as dit qu'il y a un modulo de pi. Il y a un pi, qui est l'air de pi, c'est un moins de pi plus 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 moins 4 sur 2 tu as l'in moins pi sur 2 صحيح هذه donc moins pi sur 2 l'angle هذه c'est moins pi sur 2 واضح ولا واضح monsieur باهي نتعداو زد في توا شنو هو l'angle اللي entre le u وال o b بين ال u وال o b شنو هو l'angle هذا ترى donc argument ZB égale l'angle entre U ou le OB. D'accord? Est égal combien entre hein? Kadesh? 0. 0, sahit. 0 modulo de 2 pi. D'accord? 2 pi. Mané, c'est 2 kpi en fait. On y a des neiges trop, la V c'est 3 pi sur 2 plus 2 kpi. واضحة؟ ما شكون يستنى قولوا لي كان يلا حد يستنى. باهي. دونك لهنا سي دو كابي. سي كا يقال 0 دونك سي 0. سي كا يقال 1 معناها نعمل دورة دو بي. سي كا يقال 2 نعمل دورتين. نلقى روحي على نفس الفيكتور، داكوغ؟ إذا كان نعمل دورة دون لو سونس انفيرس، موان دو بي. موان 4 بي، موان 6 بي، داكوغ؟ جو مي تروف توجور سيغ لو ميم فيكتور، داكوغ؟ باهي. أرجيمون دو زد سي، وي. Argument de ZC. On bat ZD. Peut-être. Argument de ZC égale. Fin à ZC. Il y a, n'est-ce pas? Il y a le point C. Donc, je vais chercher l'angle entre le vecteur U ou le vecteur OC. D'accord, voilà. Il y a un angle. هذه قد هذه هذه 2 2 دونك قداش لونغل هنا بي سور 4 حيتو دونك هذه سي بي سور 4 بي سور 4 بلس 2 كابي سيتادير هو قال لي واحده برك دونك سوفي ديك لي ايكريغ بي سور 4 مي انا نمشي نكتب نقول بي سور 4 بلس 2 كابي سيت اوسي pardon سيت اوسي بي سور 4 مودولو دو بي واضح بيتو argument de ZD. C'est égal toujours la définition c'est la même. Si l'angle entre U ou OD, donc égal à quoi l'angle entre pi sur 2 plus pi sur 4. صحيح هنا 1 1 اي بي سور 2 هني علاش ما نقسمهمش انا بشوي باش نقول بي سور 4 2 بي سور 4 3 بي سور 4. C'est plus simple. D'accord 3 pi sur 4 plus 2 kappa.
Voilà, qui est égal à 3pi sur 4 modulo 2pi. Hein? Tra, qui n'y a pas de pi, qu'est-ce qu'on a? Qui n'y a pas de pi, qu'est-ce qu'on a? Qui n'y a pas de pi, qui n'y a pas de pi, qui n'y a pas de pi, l'angle est dans le sens négatif. Donc, on y dit dans le sens positif, ou on y dans le sens négatif. Voilà, dit que l'axe, c'est l'origine des phases, l'origine des angles. Mais, donc, là, il y a 2 pi sur le sol. C'est-à-dire 4 fois 2, 8 pi. 3 pi moins 8 pi sur notre plan. Moins 5. Moins 5 pi sur 4. Moins 5 pi sur 4, modulo 2 pi. C'est-à-dire, mais moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, moins 5 pi sur 4. Voilà. Oui, monsieur. D'accord. Mais, allez. Reprendre la question précédente pour. Non, allez, deuxième question. Soit A1, B1, C1, D1, les symétriques respectives de A, B, C, D par rapport à l'axe des abscisses. Déterminer les arguments de chacune de leurs affixes. Donc, par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire par rapport à ça. Ben, je vais donc mettre les symétriques. Voilà. On va manquer de temps. Mettre un. Je ne sais pas si c'est les. On a 40 minutes à l'étranger. C'est bon, vous m'entendez toujours. Hein? Allô? Oui, monsieur. D'accord. Ben, par exemple, le point B, je n'ai pas de symétrique inter. Par rapport à l'axe des X. Hein? C'est le même. B par rapport à le symétrique par rapport à l'axe des X. C'est le même point. Le point A. Le point A, symétrique. Le vecteur V, avec mon faux. Voilà. Voilà le point A. Donc, A1. D'accord. Et là, B est égal à B1. C, il y a le point A. D'accord. Oui. Donc, qu'est-ce que vous remarquez qui est un asymétrique par rapport à Ocean Alk? إذا كان هذه A في الريال الإيماجينير كيفاش تولي العكس نتاعها ولا معناها سي لو كونتخير سي لو كونجوغ سي لو كونتخير نتاع البارتي إيماجينير دونك إذا كان هذه سي لافيكس زد سي دونك هذه لافيكس نتاعها هي زد سي زد بار سي داكوغ خاطر الإيماجينير ولات نيجا نيجاتيف واضحة هذه إذا كان هذه زد أ زد أ دونك زد أ بار هي زد بار أ هي لا فيكس دو لا سيمتريك بارابور على الأكس دي ريال إذا كان هذه دي دونك هذه زد دي زد دي بار واضح ولا دونك هذه زد دي بار هذه زد دي. Donc, chaque fois que j'en ai un point M, chaque fois que j'en ai un point M, pardon, un point M quelconque, c'est le point M, d'affixe Z, qui n'a pas symétrique par rapport à l'axe des X, n'a Z bar. Z bar, ça donc, ah, presque ici. Maintenant, c'est le point M' d'affixe Z bar. Hâte qu'il t'aide, par exemple, le point M au jeu de Huni, par exemple. D'accord? Et bien, j'aime le point M Huni. Hein? Alors, il y a quand même Z, pense-moi, ici, le point N. On a ZN. Alors, symétrique par rapport à l'axe Z. Z bar N. Donc, là, c'est un truc par rapport à ça. C'est le point N prime d'affixe Z bar N. D'accord? Mais, quelle est la différence entre l'argument de Z ou l'argument de Z bar? Fais-nous l'argument de Z. L'argument de Z, c'est cet angle-là.
V theta égale arg du moins de Z. D'accord? Donc l'argument de Z bar, c'est l'angle Heveya, ou elle est tout simplement c'est cet angle-là. D'accord? Sinon, l'angle Heveya par rapport à ça. Et quand elle est là, c'est moins theta. C'est moins theta. D'accord? Qui est égal à argument de quoi? Argument de Z de Z bar. Voilà, oui. Donc, où est la propriété à la fin de la table? Soit M de fixe Z. Donc, θ égale argument de Z. Équivalent à dire que moins θ est égal argument de Z. De Z. De Z. Voilà. B. Oui. Donc l'exercice on m'affiche avec dire juste un pour un calé soit voilà par rapport à l'axe des abscisses la question les va là je vais en faire d'accord déterminer juste et reprendre la même question pour les symétriques respectives par rapport à l'axe des ordonnées d'accord B par rapport à l'axe des ordonnées t'as autre qui n'est le point M n'est on a une symétrie comme ça je vais la trouver ici n'est-ce pas. Oui. Ben, alors, dès que je la trouve ici, est-ce qu'il est de la partie réelle ou la partie imaginaire? Réelle. La partie réelle ou l'être l'opposé inter. Pour ça, je vais faire un autre schéma. Je le connais. Donc, schéma, je le connais. C'est très important. Hein? Donc, je vais prendre ici le point M. On a les dispositions relatives au col. On a M là. D'accord. De fixe Z. D'accord. Et A ou la X. وهذه ب دكا هذه U وهذه V دكا دونك هنا قلنا سيمتريك بارابور لاكس دي ريال جو في تروفي كوا جو في تروفي Z Z bar هذه Z bar جو في لا متر ان ان فير باردون. D'accord. B. Je vais mettre, on va dire en rouge, pour en bleu, je vais mettre pratiquement la symétrique du point par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, le point. D'accord. Et je vais compléter aussi en jaune. La symétrique par rapport à O pour avoir tous les cas possibles. Ben. Alors, veille le vecteur OM. OM prime, on a le point M prime d'affix Z bar, d'accord? On a M seconde. دافيك شنو هي لافيكس نتاعها اذا كان هذه زد وهذه زد بار باش شنو هي البوان لافيكس دو بوان ام تييرس هذه بارابور ا سا هنا ما عندي ا ولا هنا موان ز هذه بي هذه موان بي دونك شنو هما لي كوردوني نتاعها موان زد صحيح هذه موان زد داكور وكي نقولنا كيف نطلع بارابور على الاكس دي ريال لا سيميتريك شنو نلقى موان زد بار حيت موان زد بار حيت موان زد موان زد بار دونك هذه سي موان زد بار ولا كي تبدا عندي لهنا زد دي مومون اني عملت بدلت اونيكمون الا سي كوم سي عملت موان برا و ا موان زي موان زي بي داكور دونك سي موان زد بار دونك انا زد زد بار moins z bar. Allez, on va voir tous les arguments. Le module, ça.
هذا هو موديل دو زد هذا موديل دو زد بار كي تيقال موديل دو زد واضح ولا خاطر هذه قد هذه وهذه موديل دو موان زد بار كيف كيف وهوني موديل دو موان دو موان زد كيف كيف داكار لي زارغيمون تاو هذا سي كوا argument de z ou hedi argument de z bar eh hadi donc argument de z نقولو تيتا ou hedi argument de z bar elle هي moins كان هادي moins تيتا d'accord كان هادي تيتا هادي moins تيتا بيه ou hedi ترا argument de moins z bar donc هادي argument de moins z bar est égal combien en fonction de θ? On coule pi moins θ. Ça fait pi moins θ. Est égal à pi moins θ. Où est-ce? Hédi ou la hédi? Kif kif. Donc, hédi, argument de moins z. Chno z ta θ là? Θ, chno z. Z ta pi, donc là, argument de moins z. ها سي بون ظهر الظهر باه قلنا لهنا ا بي سي دي تان باراليلوغرام استدير ا بي سي دي سون نون اليني اي لو فيكتور ا بي ايت ايغال فيكتور دي دي سي دونك كاتر بوان لازم يكونوا اليني لازم يكونوا لي فيكتور ا بي ايت ايغال دي سي استدير اي سون بارا باراليل داكور اي ني سون با بارتي بار لا ميم دروات باه اش معناها هذا معناها لا فيكس دو بي موان لا فيكس دو ا ايت ايغال لا فيكس دو سي موان لا فيكس 2D, c'est-à-dire ZB moins ZA est égal à ZC moins ZD. Ça met une autre méthode pour traduire le fait que ABCD est un parallélogramme. Il y a le milieu. Le milieu de deux diagonales. D'accord? Le milieu de A, de diagonale AC, on a dit le milieu de AC est égal au milieu de BD. D'accord? Le cas, on peut toujours l'utiliser, toujours, presque toujours. Donc, là, du moment que I c'est le milieu de AC, c'est-à-dire ZI est égal à ZA plus ZC sur 2, ou I c'est le milieu de BD, c'est-à-dire est égal à ZAB plus ZD sur 2, sur n'est-ce pas? D'accord? Donc, ici, si on multiplie par 2, on va trouver quoi? On va trouver ZA plus ZD est égal à ZB plus ZD. D'accord? Donc, tu as un Z A menhoni ou un Jibou Z D menhoni. Qu'est-ce que ça va donner ceci? Ça va donner Z A moins Z D est égal Z B. Attendez. Z A moins Z B, HTB. Moins Z B. Ou Z B moins Z A, pardon. Donc ici, ZB moins ZA, est égal ZC, moins ZD. Qu'est-ce que vous remarquez là, Natra? Vous m'entendez, oui ou non? ما نعرفش انا توا انا وحدي دخلت ما فما حد او فينهم الاخرين فيهم شيء ها فما كاتر بارتيسيبون الميل المشكله ظهرت ابارمون فما مشكله في الصوت نو سي بون انا قاعد جو بارتاج اي بي هاني قاعد صوتي تسمع نورمالمون داكار بي لحظة بالله خلينا نعاود نشوف شنو هي المشكلة alors vous m'entendez ولا؟ اي نسمع فيك نسمع باهي داكار ميرسي باهي alors قلت لهنا كوم فو فوايي لهنا هاكا لقيتها ليغاليتي معناها كي تخدوي لي زافيكس داكا واضحة كو سوا بالميليو
وإلا بـAB تقال DC معنا باللي فيكتور متفقين؟ دونك جي روتروفي لا ميم إيغالي إيغاليتي داكوغ؟ باهي توا تسمع فيه الناس كلنا هيقولوا لي تسمع فيا ولا يا Vous m'entendez tout le monde? Arana, tu m'as fait. Nermine, Omaïma. Aïe, tu m'as fait. Ben, d'accord. Quand tu as dit que 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 tu as لوزانج كيفاش لازم يكون لوزانج ها قلت هنا ان باراليلوغرام قلنا لهنا ا ب كاري هذي اتوندي A, B. On a A, B, C, D est un losange. C'est une particularité de losange par rapport au parallélogramme. Donc, d'une part, il y a un parallélogramme. Où est-ce qu'on est? C'est successif, ça fait. Tous deux côtés successifs sont parallélogrammes. Sans parallèle, d'accord? Donc, sur la page courante. D'accord? Coule deux, manéha, en fait, deux côtés successifs sont, sont égaux. Donc, l'année, on dit A, B, donc C, je vais placer le C de manière à ce que A, B ou B, C soient sont égaux, d'accord? Wada hole? Ouais. Donc, là, si je place le point C qui fait un triangle isocèle, d'accord? D'accord? Donc, il y a des choses, ou bien sûr, symétrique par rapport à le C, là, pardon. Symétrique par rapport au point C, j'ai quelque part, on y est D, d'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour le macro? D'accord. Presque. Donc, la heavy. La heavy. Et bien sûr, la heavy. D'accord. Ma tafkina. Donc, c'est un losange. Mais, je n'ai pas la particularité du losange. Je suis connu à isocèle. تسمع فيا ولا؟ وي مسيو. يكون هذا ايزوسيل. شنو هي البارتيكولاريتي اللي عندنا ترى؟ لازم لي ديغونال يكونوا اوكتوغونال. هذا صحيت هذا ايزوسيل دونك هذا سيتي نوتور، سيتي نوتور. وهذا ايزوسيل دونك هذا سيتي نوتور. متفقين؟ دونك هذوما لي ديغونال سون اورتوغونو. متفقين؟ واضحة؟ Donc, la particularité de l'osange, c'est-à-dire, c'est un parallélogramme, avec un parallélogramme, plus quoi? AB est égal à AAD. Et quand on a dit, c'est quoi? Ou c'est parallèle, c'est quoi? C'est parallèle, c'est quoi? Voilà. Donc, les quatre côtés sont égaux. Une autre manière, c'est que le milieu I, on a qui est perpendiculaire, donc c'est un parallélogramme, et diagonale perpendiculaire, d'accord? Diagonale perpendiculaire et s'intercepte sur le milieu. Intercepte au milieu. Voilà, voilà. Vous m'entendez, non? Oui, monsieur, nous sommes en fait.
بين نتعدل تويك على الريكتانكل الحاجة دي كل لازم تكونوا تعرفوهما. به A B C D تاع ريكتانجل ترى اش معناها؟ هذه اس الحاجات اش معناها؟ دونك لازم يكون باراليلوغرام. لازم يكون باراليلوغرام. وشنو معاها؟ اونجل دروا. صحيت اونجل دروا. دونك ها هو ريكتانجل. ها عندنا ريكتانجل هنا باردون. Je vais tracer un rectangle. B. Option quoi les connaît via A, B, C, D. D'accord. B. Dernier, l'angle droit et qui compte l'hélogramme, on fait angle droit wahda. Hein? Donc l'hypothèse c'est ça. Hein? Angle droit. D'accord. Il suffit d'avoir celui-là un angle droit, donc le colonne un angle droit. D'accord. Wadah ou leh? Wadah. Donc, parallélogramme, عرفنا قلنا AB. Donc, l'oul, معناه AB est égal à DC. قلنا parallélogramme. Ou c'est un autre? AB, AD, comment ils sont? C'est un angle droit, n'est-ce pas? Ou qu'on a deux vecteurs sans perpendiculaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment on peut le traduire en complexe, avec? Z A B sur Z A D, c'est un imaginaire pur. Voilà. Donc l'air, pour qu'il soit un angle droit, il faut qu'on ait sur heavy un imaginaire pur. D'accord? En d'autres termes, ça veut dire que là où la ZB moins ZA est égal à ZC moins ZD, et d'autres termes, ZB moins ZA sur ZD moins ZA appartient à IR, pardon, pardon, appartient à I. Voilà. À IR. Je m'en ai appartient à IR. M'en ai imaginaire pur. D'accord? Ben, mais il t'a le carré ou le trapèze. Voilà. Ben, là, je vois, là, je vois le carré. D'accord? انت يكون عندي كاري هنا لوسك ا ب ايتيغال ا دي دكاو دونك هنا عندي سيت ريكتانجل ا ب ايتيغال ا دي اش معناها ا ب ايتيغال ا دي معناها الموديول هنا دونك والكاري دو بلس ها دو بلس دو سا عندي موديول سادير لا ديستانس ا ب ايتيغال ديستانس ا دي هكا ولا Donc, c'est un parallélogramme. On dit AB est égal à AD. Mouchkefi, ils ont l'angle droit. Et donc, c'est-à-dire, comment je peux le traduire en complexe? Je peux le traduire en disant que ZB moins ZA, d'accord, est égal à ZD moins ZA. Voilà. D'accord? Le module, là. Ben, un trapèze. Donc, je vais vous dire le trapèze. Donc, A, B, C, D, un trapèze. Je m'en ai un trapèze.
C'est quoi un trapèze? How ABCD un trapèze? A, B. C'est quoi un trapèze? Aïe, Nermine, c'est quoi un trapèze? Rane? شبه منحرف. شبه منحرف صحيح. Donc هنا A B C D. شو عنا فيها الترابيز هذي؟ نقول A B C D. Un trapèze. Comment on les définit cela؟ عندي حاجتين برك اللي هما. اللي هما A B elle est parallèle à D. A D C. A D C. D'accord, donc on a AB est parallèle. Je vais dire on a le segment AB, il est parallèle au segment en transit ADC. D'accord. Mais maintenant AB parallèle à DC, les affixes, qu'est-ce qu'on va dire? Ils sont collinés. On a collinière, d'accord? Collinière, oui. On a collinière, le marfait, je crois. ZB moins ZA. Hein, sur ZC moins Z. Non, allez, c'est égal. Égal à 4 fois. Oui, c'est réel. Donc, on a ZAB sur ZDC est réel. Je m'en ai. Je m'en ai ZAB sur ZDC est égal. Pardon, on a une flèche. Est égal. ZAB bar sur ZDC bar. Voilà, ça veut dire que c'est réel. D'accord? Voilà. Donc, là, juste, je vais vous donner la forme trigonométrique ou forme exponentielle et on s'arrête. Donc, forme trigonométrique. Forme exponentielle. Mais la forme trigonométrique d'un nombre complexe, Z est égal à A plus IB. C'est-à-dire forme algébrique. Algébrique, oui. La forme cartésienne. Cartésienne. Le type Z est égal à racine de A carré plus B carré. Facteur de quoi? On dit haka. On dit le point M. Donc ici M. Heavy A. Ou heavy B. D'accord? On a dit que c'est l'angle θ. D'accord? A est égal à combien? A est égal à combien? Cosinus θ. Ben, chauffe cosinus θ est égal à combien? Cosinus θ est égal à A sur module de Z. A sur oui. Cosinus θ est égal à B sur? B sur module de Z. Z. Ben, A donc est égal à module de Z cosinus θ. Cosinus θ. Est égal module de Z sinus θ. Donc, A ou B par leur valeur ici, je vais avoir Z est égal A plus IB, donc module de Z cosinus θ plus I module de Z sinus θ. D'accord? Donc, on a ici module de Z cosinus θ plus I sinus θ. Voilà. C'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Vous voyez que Z est positif, module de Z est positif, ou l'angle θ appartient à 0 de pi, modulo de pi. D'accord? Tous les arguments là, sont possibles. θ plus 2 kπ sont tous des arguments. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est l'écriture ou la forme trigonométrique. Du nombre complexe Z. Mais
forme exponentielle هي z est égal modulo de z exponentielle i theta. Lorsque je compare ça à ça, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que exponentielle i theta est égal à combien? Cosinus theta plus i sinus theta. Cosinus theta plus i sinus theta. Prends là où j'ai le module, exponentielle i theta est égal. C'est une forme trigonométrique, c'est aussi une forme algébrique, d'accord? C'est la forme de a plus ib. A plus ib. Alors, c'est aussi une forme algébrique ou la cartésienne. Donc, le module de HD, c'est quoi? C'est la racine carrée de cosinus carré theta plus sinus carré theta. C'est égal à combien? Égal à 1. Sahih. Donc, égal à 1. Donc, l'exponentielle, le module de c'est 1. Donc, le module du nombre complexe, c'est ça. On met tout le module de Z, d'accord? Alors que l'exponentielle, il me renseigne à l'argument. D'accord? Donc, on a égal module exponence i fois l'argument. D'accord? Donc, il me renseigne à l'argument, à l'angle, ou il me renseigne à le module. Une écriture polaire, Z, je peux écrire Z est égal module de Z cosinus theta plus i sinus theta. D'habitude, nectvo est égal à rho, le module de Z est égal à rho, cosinus theta, ou la R plus i sinus theta, d'accord, qui est égal rho exponentielle i theta, d'accord, et des Z nectvo sous forme polaire rho theta. Wadaha? Donc, le nombre complexe, il est 100% défini, ou là, tout à fait, totalement défini par son module et son argument. Et il point le plan. Et il point le plan. Et il point m'ajoute à le plan. N'importe où. Et il point m'ajoute à le plan. Je peux la définir par son module et son argument. D'accord? Module. Monsieur, ou quel que soit l'argument exponentiel, i theta dima égal à 1. Ah, que je fais que tu as dit comme ça. C'est exponentiel i theta, cos theta plus i sin theta. كي مشيت عملت كالكالك الموديول نتاعها شنو نلقى؟ نلقى ديما ديما كالك سوا تيتا نلقى الموديول دو نومبر كومبلكس في الكريتير اكسبونونسيال يمشي في الرو يمشي لهنا في الرو واضحه؟ واضح واضح وهذه المرونسيني على الارجيومون ذكر على اللونجل هذا اي كان اي نابورت او اي بوان من البلان اللي تو تافي ديفيني بار سون موديول اي son argument, son argument. Le module déjà son argument. On espère que vous avez compris quelque chose à l'aqal aujourd'hui, d'accord? Donc, chauffe la forme trigonométrique, la forme exponentielle, c'est-à-dire la forme polaire. C'est la forme, polaire, d'accord? C'est-à-dire ça quoi physique, Bacha? Le cours d'eau, les tensions ou les courants. Et puis, donc, juste, je vais vous donner Hajazir Atawa. En fait, je vais l'écrire ici. L'argument. Argument de ZAB sur ZCD, c'est quoi ça? C'est quel angle? Argument de AB moins argument de CD? Non. Argument de... argument de ZAB moins argument de ZCD. C'est l'angle entre le vecteur AB, l'angle entre le vecteur CD et le vecteur AB. D'accord?